Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à me suivre, à ouvrir nos vidéos. En tout cas, c'est avec un cœur de joie où nous reprenons nos émissions après une petite semaine d'interruption. Vous le sentez dans ma voix, nous n'avions pas vraiment été... la santé nous a un peu dérangé, un tout petit peu. Et puis, beaucoup d'occupations aussi, extra-travail aussi, comme vous l'avez constaté. Donc, nous étions vraiment absents. Veuillez nous en excuser. Et pendant ce temps-là, l'actualité a galopé les histoires en République démocratique du Congo. Le président a parlé. Il y a les guerres qui semblent être stagnantes. L'évolution à l'Est n'évolue pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant que nous étions absents et nous nous posons la question où est-ce que nous allons commencer. Mais sachez, mes chers amis, ici à Contact Pro Live, ce n'est pas qui a dit quoi. C'est une émission pédagogique. Notre tranche, c'est une tranche pédagogique où nous vous informons sur les solutions à appliquer pour sortir du problème dans lequel nous sommes. La situation, elle est précaire, elle est chaotique sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan d'évolution du développement de notre pays. Et les gouvernants, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, semblent ignorer ou peut-être se disent que non, bon, la solution viendra. La solution sera là, on y arrivera. On fait croire aux gens que pousser un pays qui va mal, au lieu de prendre des décisions qui vont dans la direction de résoudre le problème, ce n'est pas leur problème. Les actes ne leur disent absolument rien. La réflexion sur le réel problème du Congo ne leur dit absolument rien. Et ils pensent que la façon dont nous sommes en train d'y aller, c'est comme ça que la solution pourra être trouvée et nous parviendrons au développement. On se fie à la construction de petits ponts, on se fie à la construction de mettre de la lumière sur les réverbères, sur le riz, et on pense que c'est ça la solution. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc aujourd'hui, comme je vous dis, notre mission ici, c'est une émission éducative. Nous parlons de quoi aussi aujourd'hui? Nous parlons de la recherche de la constitutionnalité. Comment est-ce que, ou bien de la constitution ou de la légalité des personnes qui gèrent notre État? Parce que nous avions pensé, et des questions qui nous arrivent, c'est que les gens nous disent que non, le problème vient de la légitimité. D'où tirons-nous la légitimité et comment la changer? Voilà ce que nous allons en parler aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Opération phare de CUPDF, 30 combattants ADF tués lors de la destruction d'un bastion près de Boga. Vers la réqualification de l'état de siège, ça c'est Félix Tshisekedi qui parle. Et puis Beni, deux combattants ADF arrêtés sur la route Kassindi-Butembo vers Karuruma. On va sur actualité.cd. CE2, les trois représentants congolais savent à quoi s'attendre maintenant. Donc le tirage de sort a eu lieu. L'association des jeunes écrivains du Congo fait son point de rencontre avec tous ses membres. On va sur Congo profond. 20 clubs Mazembe, les Kinois préfèrent suivre le classico dans le bar Costade. Et puis il y a flûtiste japonais Kairi Fuji et l'orchestre symphonique kimbanguiste ont donné un concert à Kinshasa. 7 sur 7, Lubumbashi, le président du tribunal de commerce, démissionne. Il accuse Peter Kazadi de lui mettre la pression pour qu'il autorise la saisie des sociétés de Katumbi. Et puis, Félix Tshisekedi, notre économie se porte de mieux en mieux. On termine avec 7 sur 7, Nicolas Kazadi reçoit le prix de meilleur ministre de finances du continent africain en 2022. On termine par Radio Okapi. Grand Katanga, les élèves de Sakania, Kolwezi et Kamina sensibilisés sur les questions des droits de l'homme. Grève des transporteurs à Fizi. Le trafic interrompu sur le tronçon Beni Kassindi de la RN4 à la suite de l'effondrement du pont à Lume. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous sommes lundi, donc lundi 12 décembre. Et donc hier c'était dimanche, avant-hier le président a parlé, il a fait un discours. Beaucoup de gens me posent la question, donc m'ont envoyé des questions en disant qu'est-ce que je pense de ce discours de l'État. Donc le président de la République a donné un discours, en principe c'est un discours traditionnel, chaque fin de l'année il y a un discours de l'État de la nation que le président de la République doit donner. Moi, je n'ai pas trouvé de nouveautés sur la direction ou bien il ne pouvait pas dire autre chose que ce qui était là. Et donc, le président était resté égal à lui-même. Nous nous posions toujours la question, s'il vit dans ce pays, est-ce qu'il vit le problème, est-ce qu'il comprend le problème de ce pays? Est-ce qu'il regarde le niveau dans lequel le pays est pour nous apporter un tel discours. Très rassurant, le président était très rassurant, et oui, il disait ce qu'il pensait sur la situation de l'Est, l'état de siège qui est imploré là-bas. Vous sentez qu'il y a une certaine légèreté. On n'a pas un ton d'urgence. Le président n'avait pas le ton d'urgence. C'est ça donc que moi j'ai constaté. Donc il pense, selon moi, il pense que toutes les choses sont très bien, il y a toutes les choses, ça va, et nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Or, qu'est-ce qui se passe? Toutes les mesures que le président est en train de prendre sont vraiment accompagnées par des contestations, des tollés. Je ne dis pas que ça devrait obtenir 100% d'acceptation dans la population ou bien dans ce qu'il dit. Non. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus de tollé que d'acceptation. Une petite firme de gens, par exemple, nous donnons l'exemple de ce qui se passe dans la nomination des territoriales. Et c'est là où nous sommes en train de prendre comme direction pour parler aujourd'hui. Les nominations ont été faites, il y a eu beaucoup de tollé. Et il n'y a qu'une petite firme de gens qui ont dit que non, nous pensons que le président a bien fait. Alors, demandons-nous, d'où tirons-nous la légitimité de notre pays? Je vais vous dire ceci. Je vous rappelle aussi que cette émission, quand vous la suivez, c'est une émission pédagogique. Si je me contredis, vous pouvez m'appeler et vous pouvez me dire ce que j'ai dit est mauvais. D'abord, sur le plan politique de notre pays, les gens doivent savoir ceci, parce qu'il y a trop de discussions sur ça. L'État congolais est un État apolitique, est un État laïque, et que vous pouvez le suivre, vous pouvez le lire sur la Constitution, donc dans la première page de la Constitution. Ce ne sont pas les partis politiques qui gèrent notre pays, mais ce sont les éléments, donc les envoyés des partis politiques qui sont envoyés dans l'État congolais. Il quitte le parti politique pour venir travailler dans l'État congolais. Maintenant, dans l'État congolais, donc notre système étatique aujourd'hui, fait à ce que les gens qui quittent le parti politique pour venir travailler dans l'État, ces gens-là quittent pratiquement leur parti politique. Nous ne sommes pas un pays parti-État, non. Il faut que nous enlevions cette confusion. Beaucoup de gens sont dans cette confusion en disant que non, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas l'IDPS qui est au pouvoir, monsieur. Ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir. Et c'est cette confusion, nous continuons à l'entretenir et tout le monde va dans ce vague-là en disant que c'est le parti au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Et même lui, le président de la République, nous pensons qu'il n'a pas compris. Quand on lui dit que quand vous devenez président de la République, vous cessez d'être membre de partis politiques, en principe, on devrait déjà exiger au président de la République de déposer leur démission, que le parti puisse rester. Notre constitution aujourd'hui ne consacre pas un parti-État. Non, nous avons notre État qui est apolitique. Mais maintenant, lorsqu'il y avait un parti-État, qu'est-ce qui se passait? Dans les postes
à responsabilité dans les provinces ou bien dans le gouvernement central, il y avait des postes qu'on appelait les postes politico-administratifs. En principe, comme je vous disais, les membres qui quittent le parti politique, qui sont nommés à travailler dans ce poste-là politico-administratif, viennent de partis politiques. C'est comme ça que vous allez trouver des quotas. On vous dit que non, bon, les quotas comme ça, voici les quotas des partis politiques comme ça. Ils s'arrangent, ce sont des arrangements qui ont surgi dans les années après le parti État. Les partis politiques se donnaient les quotas et tout ça. On n'a pas fait ça vient peut-être du Parlement, des sièges dans le Parlement, pour que nous puissions savoir les quotas. Est-ce que ça a été fait correctement? Non. C'est ainsi que le président de la République aujourd'hui navigue pratiquement dans cette ambiance, même si ce n'est pas nommé, cette ambiance de parti État, et on le colle, on dit que non, c'est le parti de Pesquet qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ça, ce n'était qu'une petite recadrage de tout le monde qui se dise que non, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas l'IDPS. Et même taxer de d'autres partis à être au pouvoir avec l'IDPS, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes chers amis. Relisons la constitution de notre pays. Voilà, donc j'espère que sur cette matière-là, nous sommes d'accord. Alors, d'où tire la légitimité des gens? Aujourd'hui, notre problème, nous sommes en train de nous dire... Il est grand temps de changer cette constitution. Pourquoi nous disons ça? Nous disons ça d'abord, parce que cette constitution n'a jamais été discutée par le peuple lui-même. Il y a beaucoup de zones d'ombre que le peuple eux-mêmes ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Quelles sont mes responsabilités? Un gouverneur de province, quelles sont mes prérogatives? Beaucoup qui sont là-bas ne se connaissent même pas. Ils ne passent même pas dans l'école d'administration. Donc, ils ne savent pas. On les nomme là-bas, comme je vous ai dit, c'est un poste politico-administratif. Ils viennent d'un parti politique. Dans le parti politique, on ne l'a même pas préparé en disant que voici ce qu'il faut faire quand vous êtes gouverneur, ou bien quand vous êtes redoc, ou quand vous êtes comme ça. Voici les postes à responsabilité que vous devrez gérer. Et donc, si la possibilité il y a, vous pouvez être nommé là-bas. Et lorsque vous êtes là-bas, vous ne venez pas comme un stagiaire, ni même pas comme un intrus. C'est ça qui manque justement à la République démocratique du Congo. Même les postes politico-administratifs, les partis politiques ne préparent pas leurs membres à aller gérer, à aller faire le travail dans l'État. Parce que c'est là où est le travail. Et je crois que je me fais comprendre. Parce que les gens qui continuent à dire que non, l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Parce que notre constitution le stipule très bien. Vous êtes dans l'État, vous cessez d'être membre de parti politique. Je crois que c'est sauf parmi certaines fonctions qui n'existent pas à être vraiment comme les fonctions de président de la République et tout ça. Mais d'autres fonctions, je ne sais pas, il faut que je vérifie encore une fois de plus. Mais quelqu'un m'a laissé dire que non, ce que je disais était vrai. Donc, la légitimité se tire par les élections. La légitimité s'obtient par les élections parce que nous devons organiser les élections. Et ce par là, les élections ici, la confusion est là. La confusion est là. Nous élisons les gens, les députés et tout ça. Ils vont travailler dans des institutions étatiques. Et dans ces institutions étatiques, c'est là que nous voyons que les partis politiques devraient se faire populaires pour envoyer ces députés ou bien ces gens-là dans l'organe État. Nous devons nous faire comprendre là-bas. Ces gens-là, lorsque nous allons aux élections, tant que nous avons des élections, Bandeko. Toponaka batu oyo bakokende kosala na kati ya l'état. L'état ezali a politique, l'état za makambo a politique te. Tango za na kati ya l'état uzana ba nazolo ba awa ba fonction msusu oyo ya likolo likolo, soki okomi
bako komi na fonction wana otiki kozala na nanani na na parti politique ko ko kende susu na ba parti politique te. Alors tangu topona kabatu sa tunachagua kabatu hatuchagua ke parti politique mujue ile hatuchagua ke parti politique tunachagula kanjo batu na njoma na tunasemaka legitimité ya bale batu tunaiba patiaka. Topesa ka légitimité na bato toponi totinda ka bango wapi na assemblée nationale na ba assemblée provinciale tout ça bango kuna nde ba totinda ka bango kuna totinda ka bango en tant que parti politique té parce que assemblée nationale tangu ba kokoma kuna ba sala ka bingumba mibale ya opposition na lingumba o baza ko supporter mokonzi ba batu wana ba uti wapi ba uti na ba parti politique o esale la ki bango makelele poto ba topo na bango mais jusque là eta na biso ezali a politique eza politiser te ke tolo ba ke no UDPS mutu a gagner te. Constitution na biso na no lobeli biso bongo te po lobela biso bongo il faut to changer yango to loba ke no ba parti politique neti awa na Afrique du Sud ndenge zalaka ba sala kananu ba election ya ba parti politique o eko gagner yango nde mutu ezalaka na ba siège ebele na kati ya parlement parti politique o elandi eko na ba siège o elandi na kati ya parlement c'est comme ça que ça se fait ici en Afrique du Sud. Place au ba parti politique neza ko dirige. Et pas na biso eza ba parti politique te. Nous devons savoir ça, ce n'est pas le parti politique. Nous ne cessons de le dire. Et personne ne peut nous contredire parce que c'est la Constitution elle-même qui le dit. Notre État est laïque et apolitique. Seulement confusion ezali tangu tozalaka na parti État. Parti ne mutobandaye kozala état et puis donc yangwana bomonaka la conséquence de ce qui arrive c'est que il n'existe plus la promotion directe na ba fonctionnaire à l'état parce que cette confusion là existe. C'est ainsi on ne peut plus continuer à entretenir cette confusion. Il faut tomitotele matoloba to sala nini, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous arrêter un peu. Je vous dis, nous devons nous arrêter. C'est comme ça que nous, ici, à Contact Pro Life, nous nous sommes dit, la légitimité ne peut pas, on ne peut pas faire les élections sans que nous puissions mettre les structures de base pour enfin donner le pouvoir au niveau de la base. Parce que ce qui t'opé si pouvoir na base, base est qu'on est capable de contrôler tout, oh yo, ye, atiaki. Pour cela, il faut tout changer constitution, bandeko. Il faut ba Congolais tout solo là. Tout solo là, pour nanini. Pour nan likambo a gestion en bo cannabiso. Toko solo la pona nini? Pona likambo aba nationalité, biloko aba nationalité, on eza ko tia mbilinga mbilinga. Et c'est tout ça que nous avions appelé schéma ezali nini awa. Schéma ezali que non, nous allons appeler les états de lieu de chaque territoire. Pourquoi tozolo ba chaque territoire? Nous disons chaque territoire parce que c'est un petit eza ensemble moko ya muke o eza ko regrouper ba entité de base oyo ba yebani. Je m'excuse. Les territoires, ce sont des petites entités qui regroupent les forces vives, les petites nations, les tribus que nous appelons, et qui se connaissent et qui peuvent se mettre ensemble en se disant « Bandeko mboka o ezamboka na biso. Personne ne nous enlèvera dans ce pays.
Alors, tant que Batouana Bayokani, tout discuter sur l'ensemble de la constitution, Bandeko, pour changer ce pays, ce n'est pas que nous allons appeler d'autres deux, trois personnes, qui ne sont pas à Nairobi, qui ne sont pas à Nairobi, qui ne sont pas à la constitution, à Sika. Non. Le développement ou bien la discussion sur la constitution doit concerner tous les Congolais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si nous voulons un nouveau Congo, et nous devons y aller de cette manière-là. Et cette manière-là dont je vous parle ici terminera toutes les histoires, les cacophonies, les massacres, les guerres à l'Est. Parce que dynamique wana ekozalaka kana Ituri, tel même na Nord Kivu, tel même na Sud Kivu. C'est une dynamique que le président de la République a kolobé la batolobi. Si vous êtes des Congolais, allez trouver d'abord la solution sur un nouveau Congo. To réfléchir sur un nouveau Congo. Et tout le monde ne va pas l'incriminer pour ça. Mais ma pomme nani, oh, toza kosal, tozo kende blango lelo, tozo kende nango na boulou yeke, tozo kende nango avec beaucoup trop de tensions et la population n'est pas apaisée. C'est ça le malheur que moi je me dis que le président ne comprend absolument rien sur la situation du pays. Bah, tu es belé, bazolo, bah, que non, bango baza bien, tout marche bien, le président est apaisé. Nous qui sommes ici à l'étranger, peut-être, moi je me dis. L'étranger voit mieux que ce que vous êtes à l'intérieur de notre pays. Nous avons beaucoup plus d'aperçus en regardant, parce que nous faisons des comparaisons. Nous avons des sujets à comparaison. Nous nous disons, mais pourquoi les gens se battent là-bas? Comment la vie est là-bas? Nabamboka Moussousou, comment ça se passe? Et la population sur place, elle est à sa mère. Elle est Et lorsque les opposants parlent, il y a des réprimandes, il y a tout ça, il y a des arrestations, bazo kangabino minoko, malgré tout ça, malgré les réseaux sociaux, mais vous vivez la même, donc des réalités différentes. Oh, eza koloba mana nanani na ba réseaux sociaux, bien na ba information, na oyobozo vivre quotidiennement. Beaucoup de Congolais nous parlent que non, venez au Congo, vous allez voir que tout va bien ici, nous vaquons à nos activités librement, il n'y a pas de problème. Mais nous vous disons, biloko oboza ko vivre za malamu te zo kope sa mboke kende li boso te. Ezo kende li boso te. Parce que ko tonga o eza bozo tonga mboka na développement ezali eza malamu te. L'administration au Congo ne fonctionne pas. Et lorsque nous vous donnons des exemples comme ça, vous ne voulez pas comprendre. Bandeko, légitimité a tozo lo bake non. To organize mboka na biso na kati abituka ya mike mike. Na kati o ya ba territoire pour que Batu na batu ba yoka na keno likambo a corruption et si la administration na biso e banda ko fonctionner. Et pour cela, pour arriver à un nouveau Congo, nous devons absolument passer par le changement du Congo, de la constitution. C'est ainsi que nous disons ceci. Le changement de la constitution ne peut pas être l'apanage de quelqu'un ou bien d'un groupe de gens. Les gens qui doivent changer la constitution en vie de nous faire arriver dans un nouveau Congo, ce sont le peuple congolais sur place, ceux qui vivent au Congo et regroupés au sein de petites entités que nous appelons la territoriale. Dans les territoires, les gens vont se mettre d'accord justement pour combattre les fléaux flagrants qui nous amènent dans les insécurités, la corruption. Le Congo ne marche pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'administration qui est complète. Ici, nous vous posons, souvent nous vous donnons des exemples. Et lorsque nous vous donnons des exemples complets, vous commencez à nous dire que non, voilà, ça peut rester. Mais ce sont des petites choses, effectivement, que lorsqu'elles ne marchent pas, tout l'ensemble du pays ne peut pas marcher. On dit que non. Légitimité tozo kende koluka batu na maponami. Pendant ce temps-là, nous connaissons pas tomi yebite. Bazolo bana katia nani, omoni place au boza koyo kanat, bozo baba kangi binomiso. Balobi identification des électeurs qui peuvent aller aux élections. Identification et enrôlement des électeurs. C'est déjà erroné, nous sommes mal partis. Parce qu'on vous dit que non, avec ta carte d'électeur, maintenant vous allez aller à l'ONIP pour vous donner la carte d'identité. C'est déjà biaisé.
L'identité ne s'obtient pas quand comme ça, parce que j'ai dit que je suis Mukongo et je suis né là-bas et puis on me donne l'identité. Nous, nous avions dit que nous devons commencer par le commencement, c'est-à-dire que identification à solo, il faut ba identification à la déjà na katia ba territoire. Na katia ba territoire, to yebaka pour avoir une nationalité, pour avoir carte d'identité, comment est-ce que nous pouvons l'obtenir? Il doit y avoir des procédures. C'est ça qui va nous donner à ce que toyebani, et c'est ainsi que ndeko kiko tindi kabiso place nini ya ko kende ko pona batu oto ko tiana parlement bato ba ko balobeli na biso bato oto ko sala no ya wana toza ko loba awa tolobi etat na biso ezali a politique l'état na biso, c'est notre décision qui doit être décidée pas dans la dans une nouvelle constitution. Ou bien ton dimi que non, bah parti politique ne mouto kobanda ko dirige Congo. À ce moment-là, dans le parti politique, on saura que non, bah nomination na biso, ceux qui t'ont gagné na bah élection, c'est-à-dire que parti politique na biso ne mouto ko gagné, ne mouto ko dirige. Mais ou soit toti kalika nenge tozali état laïque, donc état apolitique, mais certaines portes de responsabilité au tokoki kozwa eza ba kota ya ba parti politique, par exemple dans le gouvernement, par exemple dans les gouvernements provinciaux et babiloko makanda na ba territoire, tout ça babiloko wana nous devons les décider au préalable pour que tant ou tokopona tant ou mapona miekozo et kosalema batunyo soba yeba batu onde mutu ba gagna ki ba élection. Aujourd'hui, ce n'est pas l'IDPS qui a gagné les élections pour dire que l'IDPS nous dirige. Je vais m'arrêter là-bas, mes chers amis, parce que le temps qui nous a imparti à Contact Pro Life est ici. Babiloko, tozo développé en Mikolonioso chaque samedi. Le samedi passé, nous n'avions pas été à live en direct. Pourquoi? Parce que nous avions en tout cas beaucoup de choses qui nous ont empêchés. En tout cas, nous étions dans l'impossibilité. Et même aussi aujourd'hui, il y a aussi un problème de courant ici en Afrique du Sud. Nous n'arrivons pas peut-être à upload. Donc, vous allez nous excuser pour ça. C'est indépendamment vraiment de notre volonté. Donc, continuez à vous abonner pour que vous suivez le fil d'idées que nous sommes en train de faire, d'exposer ici. Tant que vous êtes au lobby, papa Azo Lobanini, c'est parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Abonnez-vous, si on a fil d'idées, pour te expliquer. Bino. Nous avions dit que cette émission, c'est une émission éducative. Si vous êtes en Katikati, vous comprendrez ma kamoufou. C'est pour cela que je vous appelle de vous abonner. Pas seulement pour que visibilité à la main, pour na yomoko o comprendre ma kambo o toza kolinga koloba. Mais bien sûr, écoper sa visibilité na internet, na YouTube, na Facebook, tout ça. Abonnement na yo est très très important. Et surtout, ba commentaire na yo, soko linga ki tikata moi j'aime, soko lingi pete, tiata nani moi, nani et si nwa na koloba ke o lobi malamute. Et puis, o tiki pe commentaire. Écoper sa biso. Alors, nous allons vous remercier en vous disant au revoir et nous allons vous nous retrouver dans un prochain numéro. Au revoir. Portez-vous bien.